Monsieur Woodruff, votre test de VIH s'est révélé positif. Avez-vous déjà utilisé des drogues intraveineuses? Avez-vous déjà eu des relations homosexuelles? Homosexuel, vous avez dit? Vous faites erreur, je suis pas comme ça. Monsieur Woodruff, il ne vous reste plus que 30 jours à vivre. Bah, j'ai des petites nouvelles pour vous. Y a rien dans ce monde qui peut tuer Ron Woodruff en un mois. On vient d'autoriser que ces médicaments soient testés. Et je sais que cet hôpital en a commandé. J'en ai besoin. Ça ne fonctionne pas comme ça, Monsieur Woodruff. Où est-ce que vous allez? Ils ont de bons médicaments au Mexique. Bien meilleurs que ceux qu'on peut avoir ici aux États-Unis. Ça, ce sont des protéines. C'est absolument non toxique. On peut pas les acheter aux États-Unis? C'est non approuvé. Vous pourriez faire fortune avec ça. Vous avez l'air bien. En fait, je suis dans une forme d'enfer. Rien à déclarer? Nada. Vous importez des médicaments illégaux pour la vente. C'est un délit très grave. Ils sont pas illégaux, c'est juste qu'ils sont pas approuvés encore. Je te cherchais, le cow-boy solitaire. Écoute, la fée clochette, si t'as pas plus d'argent et pas d'autres clients, j'ai pas le temps. Notre argent, t'es loin de le mériter. Je te donne une part, 5%. 25, c'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au Dallas Buyers Club. Vous traitez ces gens? Je me traite moi-même. Et je ne vends pas des médicaments, mais des cartes de membres. Walker, Dorsett, ce sont des patients? Oui, monsieur. Ce sont également des noms de joueurs des Cowboys de Dallas. C'est toute une coïncidence. C'est quoi ça? J'ai une ordonnance du tribunal qui nous permet de confisquer tous les suppléments non approuvés par la FDA. Il nous faut de nouvelles réserves. Vérifiez à Amsterdam, en Chine et en Israël. Je vais me faire affaire avec vous. Pourquoi on est là, au juste? Un beau restaurant, une belle femme. Ça donne l'impression d'être encore un être humain. Monsieur Woodruff, on peut savoir ce qui se passe? Il y a des gens qui meurent! Vous n'êtes qu'un vulgaire revendeur de drogue. TJ, c'est Leon. Saleté d'homo. Lui donner un sens. Just let me be your ticket home.